L'Argentine a un nouveau président. Ce dimanche 19 novembre, Javier Milei, polémiste âgé de 53 ans, a devancé Sergio Massa, ancien ministre de l'économie, lors du second tour de l'élection présidentielle. Il a connu une ascension politique fulgurante, après avoir créé son parti et être devenu député en 2021. Ces derniers mois, il n'a cessé de monter dans les sondages, grâce notamment à des prises de position radicales. Javier Milei est notamment opposé à l'avortement, remet en question le réchauffement climatique, et se décrit comme un anarcho-choc capitaliste, relate BFM Télévision. Sa personnalité, et plus particulièrement sa santé mentale, a également suscité des débats dans les médias locaux. Cet homme ne va pas bien. Il n'est pas stable psychologiquement, a notamment affirmé un journaliste à la télévision, dans une séquence révélée par Quotidien, sur TMC. Le comportement très violent de Javier Milei a aussi été dénoncé, suivi d'interrogations sur son équilibre émotionnel. Ses inquiétudes ont notamment été alimentées par l'une de ses interviews à la télévision. Le nouveau président argentin s'était alors emporté, prétendant entendre des voix qui l'empêchaient d'étayer sa pensée. La personnalité de Javier Milei analysée par des psychologues ces dernières semaines, des psychologues se sont succédés dans les médias argentins pour évoquer la santé mentale de Javier Milei. Je ressens la même chose que lorsque je suis face à des patients à risque. Si est une personne qui est toujours proche d'exploser, a notamment déclaré l'un d'eux à la télévision, rapporte Quotidien. Comportement hyper-émotif, dramatique, impulsif, instable, incontinence de la parole, agressif, violent, misogyne, hostile. Avait également listé un présentateur, en s'appuyant sur l'article d'un psychiatre espagnol, relate Slate. Pour illustrer leurs propos, des images de Javier Milei avec une tronçonneuse à la tribune, mais également ses envolées verbales sont régulièrement diffusées. Crédit photo, Xinhua Abaca. Just me.